Mais aussi, il y en a encore une autre option. Vous venez juste ici, vous faites un clic droit, vous prenez directement l'assaut. Et vous faire Alt pour diminuer. Alors, on clique Alt et on va directement sélectionner peu à peu. Là, on a diminué celui-là et on va se positionner sur ici. Voilà, c'est bien. Et là, on va descendre ici, là. Voilà, c'est parfait. On va diminuer aussi ici. Ce petit truc là à diminuer. Voilà, c'est bien. Alors, nous continuons ici aussi. Voilà, là, si on zoome encore un petit peu, nous pouvons se rendre compte directement que on se rendre compte directement que il y en a. Il y en a des espaces ici. Malgré que sont petits, mais nous pouvons les voir. Alors là, on va diminuer encore. Nous continuons dans la même stratégie. Et là, nous pouvons voir que on a pris la totalité de la main si je regarde très bien. Si on va augmenter ici. Voilà. Au moment que c'est fait, là, nous pouvons voir directement que tout se passe à la merveille. Alors, là, on va augmenter quelque chose ici là. Voilà. Au moment que c'est terminé, on doit directement être ici avant de cliquer directement là. Dès que c'est fait, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons retourner et voir directement que le boulot selon lequel on nous a dit directement de faire, c'est déjà fait. Alors, ce boulot qui est déjà fait, c'est le boulot selon lequel on s'intéresse énormément de vouloir faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On peut voir d'abord les minutes qui nous restent. On a beaucoup de minutes. Je veux répéter à nouveau, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a utilisé le premier calque, ce qui fait que, bien, on fait rapidement un deuxième projet pour aller vite. On va importer notre télévision rapidement. Voilà, on va le zoomer. On va augmenter la taille. Celui-là, ça ne nous demande pas beaucoup de choses. Voilà. Nous validons directement là-haut. Après avoir validé, nous devrons directement enlever tous les blancs qui ça se trouvent ici. Nous venons directement ici. On va faire outil baguette magique. On vient là, on clique et on fait directement notre calque. On va faire CTRL I pour revenir. Après, on va balancer une photo parmi tant d'autres. Avant de tout, si on vient là, on ne pouvait pas directement importer. On doit cliquer au dehors avant de venir ici et sélectionner notre fameuse photo. Je vais aller au bureau pour prendre la photo. D'accord. On va prendre celui-là ou bien celui-ci. Voilà. On va prendre la dame là. On va agrandir ça sans surprise.
directement cliquer là. Et cette photo-là qu'on va faire CTRL-J. Après le CTRL-J, on va cliquer dans les yeux là pour les enlever. Et puis revenir ici, faire un clic droit et prendre outil lasso polygonal. On vient là. Là. Ici. Là. Et là. Le tour est joué. Et dès que c'est fait, on va directement cliquer un ici là. Nous pouvons aussi constater qu'on a coupé un petit peu la tête. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout. On va cliquer directement comme ça. Là, la personne est directement dans la télévision. Alors, c'est ça ce qu'on a fait, plus ajouter directement la tête qui ça se trouve dans ce tuto-là. Mais il y en a le premier tuto qui explique tout cela. Alors, mes chers amis, prends soin de vous. Je crois que on n'a pas assez de minutes. Hein? Oui, on a un petit peu de musique. Minute. Alors, ça, premier lieu, on a travaillé avec ça. Je le dis très bien. Pour que celui-ci, on ajoute tout ça ici. On revient directement là. Pour que nous voulons directement ajouter la tête ici là, le chevet avec le bout de la tête restante, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons directement venir ici. Je peux choisir directement sa tête. La machine RAM. Ça cliquer comme ça pour augmenter ce que j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin de ça. Je viens directement là, je veux faire un calque, et dès que j'ai eu ma calque là, vous voyez directement l'augmentation directement qui va fissurer directement la télévision, mais toute sa tête doit être au rendez-vous. Entre temps, si vous voyez qu'il y en a une image, on peut faire comme ça pour retourner, enlever directement la fissure de ce truc là, et comme ça on va directement appuyer ici, prendre un plus grand par rapport à ce qu'on avait pris. Voilà, c'est bien, je crois. Voilà, et on retourne ici, on va faire la même chose. Et là, vous voyez directement, tout est là-dedans. Alors, c'est presque la même chose, mais ici, c'était un bon travail et vous l'avez vu. Alors, il suffit directement de se contenter de ça et de vous espérer que vous vous abonnez à la chaîne. Et n'hésitez surtout pas à rater nos tutos. Il faut que vous puissiez directement les déguster. Et ça me fera énormément plaisir, mes chers amis. À très bientôt. Ciao.